Et ça démarre tout de suite. Bienvenue sur les tests d'Ungarus Gamers. Ce soir, on va faire un petit versus de Bomberman. On est en compagnie de Blood, de Dr. P, de Revo, de Gali et de moi-même, Ombre. Oh mais t'es trop cool. Et voilà, tout de suite Revo qui vient de se shooter. Voilà, et d'habitude il me harcèle. Voilà, il est pas si mauvais, tu vas crever aussi le bleu. Putain. Voilà. Alors le bleu, je t'explique, hein. La bombe où il y a un P, c'est une bombe qui fait d'office toutes les lignes. Donc, Revo c'est le blanc. Ah Blood c'est le bleu. Il y a les dégâts. Moi je suis pédé. C'est le bras. C'est qui le rouge? Non. Alors, bon, Bomberman, tout le monde connaît à peu près le principe. On pose des bombes, ça explose des carreaux, faut tuer ses potes avec. Ça, c'est la version Play 3 qui est sortie il y a quelques mois maintenant. Et le jeu est édité par Hudson, qui bien sûr profite de sa licence depuis X années, qui a sorti quelques bouses, mais qui dans les trois quarts du temps fait des bons jeux Bomberman, bien bons. Ouais, parce que on mettra. D'ailleurs, Dr. P vous a préparé une vidéo. Oh, oh j'ai gagné. Bravo. Bravo à Revo. N'importe quoi. D'ailleurs, Revo qui va devoir. Comme il a cheaté. Il va devoir tester le patch de DC Universe. Il en est cheaté avec nous quelques petites minutes. Bah là, il est chaud bien. Il va finir le patch dans la soirée, il nous a dit. Voilà. Préparez-vous à une expo mondiale. Alors. C'est quoi comme nouveau bonus là-dedans? Il y a les bombes de zone, c'est des bombes avec un crâne. Ah non, bah non, elles étaient déjà dans la bouse que t'as testé. Ouais, dans Bomberman Hardball. Voilà. Alors, qui est une bouse, il faut le dire. D'ailleurs, on vous mettra bientôt en ligne le test de Bomberman Hardball. Putain, et là, histoire de faire profiter des merdes à tout le monde. Voilà, donc là, je suis en rouge et sinon en blanc, et là, je le déteste, quoi. Voilà, là, il est mort, voilà. Voilà, non, mais attends, je parlais, sale petit con. T'es vraiment un petit con. Et Fabien, si tu restes appuyé sur X, non mais j'ai pas envie tu jettes les bombes plus loin. Ah ouais? Ouais. Tu vois? Oh, et t'aurais pu le coincer. Tu vois, quand il était dans le coin en main, t'aurais pu le coincer. Et... Ah alors, donc les items se ramassent au fur et à mesure. Il n'y a pas de jauge pour savoir combien d'items on a ramassé. Donc il faut bien garder en mémoire tout ce qu'on a ramassé et où on en est. Sinon, on peut vite fait se faire bouillave parce qu'on a posé soi-même. Les flammes agrandissent de 1 carré la portée. Ouh, le blanc il est en train de stresser là. T'as ah non, il crève pas. Blanc. Ouais, quand même. Le petit blanc. Non, on va pas recommencer. Non, arrêtez. Non. Et c'est la couleur du Bomberman. Bah, le blanc il s'est mis blanc. Et non, t'es mort. C'est qui le bleu? C'est toi? Ah, je croyais que tu t'étais tué. Non. Ok, encore une partie. Moi, j'ai écho, il a assez fier de lui d'ailleurs à chaque fois. Il y a son nom. Il gagne. À chaque fois, il gagne. Attends, il a mis tous les persos à son nom, comme ça, c'est moi le porc ici, mine de rien, quoi. T'as de la chance que j'ai pas DC Universe, mec. Ah, c'est vrai. Tu joues à 4 manettes en même temps, pas mal. Eh, quand même. C'est le skill, ça. Oh. Voilà. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Les mecs, allez, rejoignez-vous un peu là. Un petit peu de baston là, cette bande de fillettes. Bah oui, t'es con. Non. Tu l'as niqué. C'est jackpot les enfants. Là. T'es con, mais tu l'as niqué, donc ça va. C'est racheté. Ils sont sympas, ils sont tranquilles. Putain, non. Sans que le fair play dans l'équipe, les gars. Joël, Dr. P plutôt, on va être poli. On va éviter les insultes. On va éviter les insultes. Parce que t'en as fait une deuxième aussi tout à l'heure. Non, mais quel gros anus. Et bah voilà, Dr. P vient de gagner. Je suis vraiment un gros anus, moi. Ah. Mais si t'as un gros anus, c'est qu'on doit pouvoir y mettre des choses. Des bombes. Des bombes. C'est le pétage de cul, ça. Il semblerait que mon Jericho se mange un petit coup de la gastro. ouais, effectivement, ouais. Ça balance, là, quand même. Non, c'était pas volontaire, Gali. T'en fais pas. Mais c'est vrai qu'il y a une vengeance, là. Il y a quelque chose à exercer. Alors. Non. Voilà, bah c'est Revo. Hein, ouais. Mais c'est Revo. En plus, Revo, quand il crève, il a capté exactement le truc pour pouvoir revenir à tous les coups. C'est la spéciale. C'est la spéciale, Revo. La spéciale du chef. C'est qui le bleu, là, qui on joue depuis tout à l'heure? Non, eh ben non, voilà. Non, le bleu, oh, c'est dommage. Presque. T'as pas été assez rapide, c'est tout. Mais je savais plus que j'avais, quoi. Et Zinout, c'est qui le rouge qui se planque depuis avant? C'est Fabien.
C'est pas bien Gali. Oh le planqué. Mais vous êtes pas pro là, nos identités secrètes les gars quoi. Bah de toute manière nous on est reliés au compte Facebook alors les mecs ils peuvent savoir limite donc, la... les filles si vous voulez je pense qu'il y a mieux pour draguer qu'à mon temps. Tu rigoles. Et hop là. Non mais c'est nul ce jeu là. J'ai pensé à tester ce truc quoi. Merde. C'est une bouserie hein, faut le dire. Je suis trop nul. Oh bravo. Alors on va arrêter là pour cette vidéo. On vous remercie d'avoir suivi ce test sur Inglorious Gamers. Peut-être qu'on va en faire une troisième parce que j'ai bien envie de jouer mine de rien. Et puis on vous dit à bientôt alors. À bientôt. Ciao. À plus. Et Gali, tu dis rien ? Poli, va.